Michael Labrèche, qu'on a connu principalement sur l'asphalte. Comment ça va jusqu'à maintenant, tes pratiques? Bien là, ça fait seulement deux pratiques que je fais, puis la track a changé beaucoup entre les deux pratiques. Fait que là, j'ai eu de la misère dans ma deuxième pratique, mais on va s'ajuster pour la prochaine. T'as hâte pour cette belle saison-là devant toi? Ouais, j'ai hâte d'essayer toute l'année sur la terre, là, dans le fond. Fait que ça va être ma première vraie saison. Puis c'est pour ça qu'on est venu aux pratiques aujourd'hui pour essayer la voiture puis voir comment que ça va. C'est sûr que le car-compte est aussi bon aujourd'hui puis il va l'être aussi pour la saison prochaine. Ouais, j'imagine que... Ouais, ça c'est sûr. Sur l'asphalte, ça a beaucoup diminué l'an passé puis les autres années avant. Fait que là, c'est pour ça qu'on a décidé de s'en aller sur la terre. Il y a beaucoup plus de voitures puis ça va être plus amusant. Quand est-ce qu'on essaye le gros bloc? Ça va aller sûrement ici à Granby. Donc, on ira pas ailleurs avant. On va venir l'essayer sur une track que je connais au moins pour commencer. Puis, on va voir. C'est quoi l'état de la piste aujourd'hui? Dans le fond, c'est très glissant. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'adhésion. Mais là, la track est rendue comme un peu comme sur l'asphalte. Là, fait qu'on va voir tantôt comment ça va aller. Quel est ton objectif pour la saison? C'est sûr que j'aimerais ça être recrue de l'année. Fait que on va voir c'est qui les autres contre moi. Là. Fait que on va regarder ça. Puis j'aimerais ça être recrue de l'année à Drummondville puis ici à Granby. On te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci.